Mesdames et messieurs la famille, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes, dépendamment de qui côté qui le, nous pral garder, nous pral tendre vidéo ça, c'est avec un pile plaisir, un pile l'amour comme d'habitude, moi là, pour porter une autre vidéo d'information pour nous aujourd'hui, c'est dimanche 26 mars 2023, encore une fois, moi content là avec nous, me souhaiter nous passer un très très bon week-end, et m'espérer que bon Dieu le pral accompagner nous tous pour nous passer une autre très très bonne semaine, pour nous continuer mois d'avril là, dans de très bonnes conditions. Ancien président Jean-Bertrand Aristide parlait matin. Monsieur parlait, je dis en pile causé, monsieur fait en pile politique dans la déclaration que le fait matin. Donc on est ancien président Lavalas là, monsieur presque pas parlé depuis après il était fini rentré dans le pays après coup d'état, nous songeait il était prêt en 2004 et monsieur parlait de manière occasionnelle et surtout dans la dernière année, ça a parlé chaque année, notamment lorsque UNIFA a pas gradué en série de Timoun et qui fin fait étudio Rodbo là. Parce que monsieur, c'est président d'honneur université. Donc, à l'occasion, ça a toujours parlé. Il n'a pas jamais raté l'occasion, malgré déclaration, discours, ça, c'est des bagailles circonstancielles, etc. Il n'a pas jamais raté l'occasion pour que le fait gros politique. Mais c'est ça, même que le fait matin, le discours que le fait là, nous pral fort entendre. Dans le discours que monsieur fait matin, monsieur dit une parole qui retenu attention, monsieur dit comme ça. Ça que nous vivons là, jodia dans le pays là, c'est conséquence coup d'état 2004 là. Est-ce que vous entendez? Jean-Bertrand Aristide déclarait jodia, il dit en pile l'autre parole. Il dit en pile l'autre parole que nous pral entendre là, m'a évité de tendre discours. Mais il y en a pas qui retenu attention, il dit l'enfer que Haïti a vécu aujourd'hui, c'est conséquence coup d'état 2004 là. Et qui sont passés de paroles ça. Hier, me songe me tape fond émission, dès dit nous les en Haïti a fait politique mais toujours cherchons façon pour que yo défoncé de responsabilité que yo même yo gagné dans tintin qu'on a vu là. Nous avons même dit ça dans l'émission hier. On va faire entendre un discours Jean-Bertrand Aristide là et puis dis-moi qu'ils ont pensé de déclaration ça, hein? Et puis n'a retourné. On entendait Jean-Bertrand Aristide qui t'a parlé et n'a rappelé c'est dans occasion cérémonie de graduation qui t'a faite dans UNIFA université qui portait nom Fondation Ancien Président. En allez. Membres du conseil d'administration de l'UNIFA, distingués membres du rectorat, des décanats et du corps professoral, distingués membres de la direction de notre hôpital universitaire, distingués musiciens de l'orchestre philharmonique Sainte-Trinité, très chers amis du 11e département, distingués invités, chers parents, très chers récipiendaires, très chers unifaristes, chers amis de la presse, mesdames, messieurs, je suis profondément honoré de joindre ma voix à celle de Minouche pour vous saluer et vous souhaiter une cordiale bienvenue à notre 5e cérémonie de graduation. Comme un rayon de soleil, votre présence réchauffe nos cœurs et bien évidemment, nous tressaillons de joie. Tous, nous savons qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Alors, à vous des salves d'honneur, car à travers votre contribution à l'éducation de la jeunesse haïtienne, vous triompherez avec gloire. Merci. Merci de nous honorer de votre présence et encore une fois, bravo à vous. Un salut cordial
à nos 5060 étudiants des facultés de médecine, sciences infirmières, odontologie, sciences de réhabilitation, pharmacie et sciences biomédicales, sciences juridiques et politiques, génie et architecture, sciences économiques et administratives, sciences de la nature et de l'agriculture, éducation permanente. De la dernière graduation à celle de ce matin, plus d'un demi-million de neurones sont renouvelés dans l'hippocampe de notre cerveau. Ces cellules nerveuses sont essentielles à l'apprentissage et à la mémoire. Elles me rappellent continuellement le dévouement et la passion de Minouche pour l'UNIFA. Comme ces deux bons qui font bonbon, Minouche et UNIFA font un bonbon qui bon tant que jambon et lipi bon parce que bonbon qui bon tout bon. À toi, cher Minouche, merci mille fois. Que tes yeux découvrent une éclosion des roses de gratitude à travers ce concert d'applaudissements. Distingués membres du Conseil, comme vous le savez, chaque minute, nous respirons environ 8 litres d'air. Ce matin, si vous mesurez la composition et la qualité de l'air qui transite à travers vos voies respiratoires et vos poumons, uniformément, vous y retrouverez des molécules de gratitude en quantité innombrable. La vibration de ces molécules de gratitude témoigne de notre reconnaissance envers chaque membre de notre prestigieux conseil. Oui, de votre générosité inlassable et de votre bienveillance, nous nous souviendrons toujours. À vous, mille merci et mille salves d'applaudissements. À l'UNIFA, on utilise rarement l'expression « faire travailler ses méninges ». Au sens figuré, méninges nous renvoie à l'esprit. En fait, il s'agit de ces trois membranes qui recouvrent le cerveau et la moelle épinière, les protégeant ainsi contre les agents pathogènes. Ici, on va plus loin. Ici, on va plus loin. Nos éminents professeurs, à la fois respectés et aimés, invitent les étudiants à faire travailler la matière grise, car elle contient les corps de nos 86 milliards de neurones. La matière grise inclut le message chimique, le potentiel d'action, l'influx nerveux, la connaissance. Chers professeurs, distingués membres du rectorat, des décanats et du corps médical de notre hôpital universitaire, permettez-moi de dire en un mot, vous êtes brillants. La symphonie de gratitude que vous écoutez à l'instant a été composé par les décharges neuronales de notre matière grise. À vous, merci, merci et bravo. Une bonne gestion de cette matière grise offrira bien sûr
une bonne formation à nos futurs professionnels de la santé. Leur hôpital universitaire de 205 lits accueille des patients en chirurgie, urologie, obstétrique, gynécologie, pédiatrie, médecine interne, neurologie, cardiologie, ophtalmologie, orthopédie, physiothérapie et odontologie. Près de leur laboratoire de référence, le service d'imagerie dispose des appareils de scanner, radiologie, sonographie, mammographie à l'ombre des deux salles d'opération les mieux équipées du pays. Je vois combien vous êtes contents. C'est vrai. Votre applaudissement m'invite à le redire, les mieux équipés du pays. Merci de tout cœur à nos bienfaiteurs haïtiens et étrangers, spécialement le docteur Paul Farmer de regrettée mémoire. Chers récipiendaires, l'adresse de ta première école n'a pas été celle d'un jardin d'enfants, mais bien celle du sein maternel. En effet, l'apprentissage commence avant la naissance. 3 mois avant de naître, tu écoutais parfois la voix de ton papa, souvent celle de ta maman, et tu apprenais des mots de sa langue maternelle. Comme une excellente professeure, elle t'a permis de développer ton intelligence linguistique avant ta naissance. Donc, mamie et papi jouaient un rôle capital dans le développement ni cerveau ni intelligence. C'est pour ça que je dis, dans un bel match football qui a déroulé dans la finale graduation ça, entre équipe connaissance et équipe reconnaissance, nous pas pour tout gros suspense ou suspense qui te gagné dans le match final Argentine-France là. Nous songez. Suspense qui a sauté, qui a cassé ça, nous pas pour le matin parce que maman c'est sous connaissance, petite c'est sous reconnaissance. Donc, c'est normal pour équipe parent nous yo lever trophée reconnaissance là comme champion. Je dis à champion, c'est pas équipe Argentine. C'est nous-mêmes, même mamie et papi, que nous remet en pile, en pile, en pile. Chapeau bas pour nous, bravo pour nous. Pour Jean nous fait sacrifice, pour Jean nous redit, Brésil champion 5 fois, Argentine 3 fois. Nous-mêmes parents, dans l'éducation petite nous, bon, je dis à nous champions net. Chers récipiendaires, au cours de ton cycle d'études à l'UNIFA, rien, je dis bien, rien ne pouvait éteindre ton désir ardent de revêtir la toge et d'arborer la toque de récipiendaire prêt à recevoir son diplôme.
Et voilà, ça y est. Voilà, ça y est. La graduation est un sommet escarpé où tous les récipiendaires explorent les horizons du bonheur. Aspiration légitime. Oui, aspiration légitime à une vie meilleure. Explorons donc cette soif inextinguible à la lumière de l'intelligence humaine. Il existe une corrélation entre intelligence et quotient intellectuel. Mais qu'en est-il de la composante neuroscientifique de l'intelligence? Lisons ensemble, s'il vous plaît, neuroscience et intelligence. Encore, neuroscience et intelligence. Siège de l'intelligence. Le cerveau des bébés nous en dit long. Dès le premier jour de la naissance, leur intelligence linguistique se révèle d'une manière remarquable. Le cerveau des bébés haïtiens, comme celui des bébés en général, parvient à distinguer tous les phonèmes de toutes les langues du monde. Très souvent, l'analyse du tracé encéphalographique confirme que 400 millisecondes suffisent pour distinguer les phonèmes da et ba. Le bébé haïtien préfère naturellement écouter le créole car la langue maternelle et la mémoire procédurale sont intimement liées. L'âme moment tellement de puissance, lui fait connexion au fait bonheur, bonheur, dans le cerveau petit bébé qui a à peine 3 mois. Alors ça, tout le monde n'a pas qu'à parler. Pourtant, zone dans le cerveau qui permet de nous prononcer moyo mots en tout l'humain. Monsieur Dame Saveyo, les zones ça broca. L'ichita exactement bon tempo à gauche. À l'image de l'intelligence linguistique, la croissance de notre potentiel cognitif dépend de plusieurs facteurs, tels que l'environnement familial, l'éducation, le milieu social, la vitesse de la conduction nerveuse, l'influx nerveux en soi, la génétique. Les variations de l'intelligence sont déterminées à 50% par la génétique. Chers récipiendaires, si au laboratoire, je souhaiterais démontrer que l'intelligence est une langue complexe dont les locuteurs sont les neurones, ici, ce matin, nous retiendrons que l'intelligence est la faculté de comprendre. Plus tu comprends, plus tu deviens intelligent. Plus tu deviens intelligent, plus tu as une soif insatiable de connaissances. Ta graduation, loin d'être une fin d'étude, t'invite à un apprentissage continu. Jodi a ou fort, demain ou abvin pi fort, parce que yon unifaris, c'est moun ki fort. Moun ki fort mérite bravo ki pi fort. Unifa déjà en haut, la monte pi haut. Pendant ou même ou abvin pifo. Unifa déjà en haut, la monte pi haut pendant la baye bourse étude pour lauréat qui n'a 10 départements géographiques pays.
Le développement du potentiel cognitif requiert l'interaction humaine. Yo seul mais pas bat bravo pour intelligence. Tandis que le faisceau arché permet d'exprimer ses pensées en paroles, la communication synchronisée entre deux neurones évoque le substrat collectif de l'intelligence. En d'autres termes, you seul doit pas manger qu'à la loue connaissance. La transmission de cette connaissance ou influx nerveux se réalise à travers la synapse, c'est-à-dire l'espace qui sépare les deux neurones. On enregistre plusieurs millions de synapses par seconde. Ces connexions cérébrales constituent le fondement de l'apprentissage. Jusqu'à 25 ans, ton cortex préfrontal peut produire plus de synapses que nécessaire. D'où la modification en permanence des connexions cérébrales. Et cette connectivité, évidemment, révèle le quotient intellectuel. En un mot, plus tu apprends, plus ton intelligence sera lumineuse. Contrairement à Toto, qui toujours sous-jouette, mon intelligent qu'on est, tout jouette, c'est jouette, mais passé quand son en tête par la donne. Contrairement à Toto, qui remet prendre dictée qui longue pour le café une pile à qu'on pas qu'être faute. Mon intelligent qu'on est, tout dictée, c'est dictée, mais gain dictée à dictée. Exemple. Moi aimé Haïti. Point. Moi fou pour Haïti. Point à la ligne. M'a mouri pour Haïti. Point final. Contrairement à Xaminou Toto, qui plutôt prend gol, passe le bail gol. Mon intelligent qu'on est, leur font bel gol de pied collé, qui chire filet gardien bicyclettement, s'arrête yon bel gol intelligence. Et comme ça, même mon fou saisi. Peuple haïtien intelligent, li clair. Oui, c'est vrai. Peuple haïtien intelligent. Belle histoire noire prouvée. Mais si peuple haïtien intelligent, qui jouk fait Haïti paradis fin tourner yo l'enfer. De l'esclavage à l'esclavage moderne, la forme change. Mais l'oppression des peuples se poursuit à travers le monde. Du colonialisme au néocolonialisme, les structures d'exploitation restent et demeurent. Heureusement, l'irruption de l'intelligence collective du peuple haïtien s'est exprimée clairement à travers la révolution de 1804 et plus récemment à travers les élections du 16 décembre 1990. Liberté ou la mort, au-delà du slogan, surgit de notre ADN. Nous sommes haïtiens, haïtiennes, toujours victime au quotidien et bien évidemment toujours assoiffé de justice et de réparation. Nous, haïtiens, haïtiennes, dignes,
lucide et insoumis, nous serons toujours jaloux de notre liberté et de notre souveraineté. Dans nos veines coule le précieux sang de Toussaint Louverture, le génie de la race, et de Jean-Jacques Dessalines le Grand. Honneur, respect pour vous. Honneur, respect pour vous. Si les conquêtes démocratiques n'avaient pas été emportées par les coups d'État du 30 septembre 1991 et du 29 février 2004, beaucoup de fils et filles de la patrie seraient ici dynamisant fièrement et dignement le développement de notre cher Haïti. Malheureusement, joufeuille tombée dans de l'eau, c'est pas joual pourri. L'enfer, kidnapping, insécurité cap fin détruit pays à jodia, c'est résultat coup d'état 2004 là. La vie tout le monde menacé en bas insécurité contrat social ça. Plus que jamais, faut nous solidaires parce que souffrance yon haïtien, c'est souffrance tout haïtien. Respect ak bon jan sérum patriotique pour chaque sèn ak frèn qui victime dans l'enfer kidnapping sans pareil ça. La main qui donne est souvent au-dessus de celle qui reçoit. On comprend bien la dépendance des esclaves mentaux face à leur maître. Pour imposer l'esclavage moderne, le néocolon a toujours besoin du colonisé mental. Celui-ci, en général, fait travailler ses méninges, pas sa matière grise. Il est anosognosique. Par contre, intelligent ou pas, le maître vise toujours les intérêts de l'oppresseur. Les crimes économiques liés aux milliards du Pétro-Caribé et du CIRH en disent long. Est-ce que criminel à cravate ça yo intelligent? D'abord, avant de nous répondre, on regarde si il y a une différence en créole entre intelligent et intelligent. Oui, si yon sonne positif, l'autre là sonne négatif. Qui donc? Pays d'Haïti besoin monde intelligent. Nous-mêmes, Haïtiens, nous besoin monde intelligent. Dans l'école, monde intelligent. Dans l'université, monde intelligent. Dans l'hôpital, monde intelligent. Dans l'État, monde intelligent. Derrière le bureau, monde intelligent. Attention, des bao, monde intelligent. Voilà. Kounia, en retournement de nous, est-ce que criminel à cravate Petro-Caribéo intelligent? Écoutez, nan rebati Haïti ak menti pointi, menti pakoti, menti sou menti, menti ki pa fouti pa menti, si yo pa intelligent, yo pran pose intelligent.
place yo ye. Des bureaux ou des barreaux? Quitte, c'est la majorité monde qui est dans la province. Quitte, c'est la minorité monde qui vivent dans la ville. Quitte, c'est à travers haïtiens qui vivent à l'étranger. Nous chargés avec les gens qui ont un bon cerveau intelligent. Mais, toujours, il y a un petit groupe Zouililit qui n'est pas intelligent, mais qui est intelligent, n'en fait mal. Insécurité a fait nous tout mal. Kidnapping a fait nous tout mal. Prix gaz, la vie chère, fait nous tout mal. Blackout 24 sur 24 là, fait nous tout mal. Coup de gilet chômage là, fait nous tout mal. Flamme différent goua, fait nous tout mal, parce que nous tous, c'est frères et sœurs. Jeudi, demain, faut nous libérer en bas. Tout faux quoi faire qui voulait caler tête nous rose. Yo dormi rêver pouvoir, virer tourner pouvoir, monter descendre pouvoir, pouvoir pour toujours prendre ni l'État ni peuple là en otage. Yo dormi rêvé pouvoir, viré tourner pouvoir, monter descendre pouvoir, pouvoir pour piller, piller sans peuple là pas joindre en rien. Yo dormi rêvé pouvoir, viré tourner pouvoir, monter descendre pouvoir, pouvoir pour forcer jeunes yo parti quitter pays à blanche. Plan recolonisation en clair. Les nous dit Haïti pour haïtien, bandit légal joigne carte blanche pour bail un Haïti sans haïtien. Sœur, frère, quitter innocent payer pour coupable. C'est une grosse erreur. Dit tout le monde coupable, c'est une grosse tonton erreur. Croiser bran pour mal la vie, puis mal, c'est une coquine erreur. C'est pour ça, moi souhaité pour nous tous qui représentons force économique et force politique, l'ouvrir l'espace pour peuple là pote force pâle dans accouchement sécurité a. Tout accord qui pas fait corps avec peuple là encore, c'est accordéon. Accordéon pour chanter do ré mi facile sous do pouvoir. Force peuple là indispensable pour accouchement sécurité a. Choisir continuer quitter peuple là dehors, c'est plus gros erreur. Accepter mettre peuple là outside, c'est plus gros erreur. Mandez tout le monde qui est intelligent, s'il plaît, éviter plus gros erreur ça. Se tromper, c'est possible. Et d'ailleurs, l'erreur peut être le sein maternel de la connaissance. Impliqué à la fois dans des fonctions émotionnelles et cognitives, notre cortex singulaire antérieur a la faculté de déclencher l'alarme quand nous commettons certaines erreurs. Très souvent, quand le cerveau se rend compte d'une erreur commise, nous crions spontanément « aïe, aïe, aïe » en touchant notre front instinctivement.
Oui, c'est précisément là, dans la partie frontale, où est localisé notre cortex singulaire antérieur. Grâce à ce grand chef d'orchestre du cerveau, le lobe frontal, puissions-nous décrypter le langage rationnel et, bien sûr, dotés d'intelligence multiple, nous pourrons tous contribuer à l'inclusion sociale et au bonheur de la jeunesse haïtienne. Chers récipiendaires, avec plaisir, je t'exhorte à relire la vocation de l'élite du docteur Jean Price-Mars. Toi qui souhaites rejoindre une élite professionnelle où brillent médecins, dentistes, infirmières, physiothérapeutes, avocats, juristes, ingénieurs, architectes, gestionnaires, comptables, économistes et agronomes, que ta carrière soit couronnée de succès. Toi qui aspires à gravir la pyramide sociale pour y trouver le bonheur, nous t'embrassons unifaristement. Plus tu t'approches de ce sommet, plus tu te souviendras de tes racines familiales et sociales. Sois heureux d'être à la fois récepteur et neurotransmetteur du bonheur. Toi qui rêves de belles voitures, belles maisons, belles carrières professionnelles, belles fortunes, belles fiançailles, belles lunes de miel et pourquoi pas, belle histoire d'amour entraînant la dilatation des pupilles, puisse tes yeux découvrir une vue éblouissante et un avenir radieux. En conclusion, chers récipiendaires, si bientôt tu seras loin des yeux de ton alma mater, ici, tu auras toujours un havre de paix où se renouvellent chaque jour les neurones du bonheur. Si ce matin, en savourant les délices de ta graduation, tu es bercé entre les neurones du bonheur et les neurones de l'intelligence par ton alma mater, bientôt, tu seras plus dans ses bras. Mais, ici, tu auras toujours une place réservée entre les valves de son cœur, ce cœur qui t'aime et qui t'aimera toujours. Unifariste un jour, unifariste toujours. Unifariste un jour, unifariste toujours. À vous tous que j'aime beaucoup, succès, bonheur et beaucoup d'amour. Merci. Mesdames et messieurs, nous t'attendez, ancien président Jean-Bertrand Aristide qui t'a parlé. Et c'est en pile causé, va vrai? En pile causé. Et qui ça m'a ajouté là? Est-ce que c'est nécessaire pour me faire des commentaires là? Hein? Et je veux dire, Aristide Trouville, par exemple, dans la même catégorie avec Michel Bennett. Duvalier, on prend. Et bon, mon ça au con, j'ai 20 têtes yo. En catégorie de monde qui était sous pouvoir qui jodi a dans opposition qu'on façon que 20 têtes yo. Conseil de petit voyou qui était dans opposition hier, jodi a qui dans pouvoir. Qui a fait démagogie, quand même si nous voulons demain si Dieu veut, on pas sous pouvoir encore. De façon que vous prenez le vent de tête. Yo. Mais en réalité, si nous avons fait bah, yo avec objectivité, nous avons que si nous avons cherché part de responsabilité de chaque grain monde dans sa nier là, mon cher, je vais vous bon dire. Mais allez, je ne vais pas parler, je ne vais pas dire rien.
n'a pas allé. Allez, dans l'autre vidéo. OK? Je vous aime.